In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. Eh ouais. Je vois pas pourquoi il nous dit ça. Chaque fois. C'est vrai qu'il y a quelque chose après, mais non, en fait, non. En tout cas, bienvenue, on est reparti pour Darkest. Le donjon ténébreux. Le plus sombre des donjons. La dernière fois, on avait fait... Tiens, la dernière fois, on avait sauvé Woodville. Woodville, qui est... qui est un homme d'armes. Niveau 3, toutes les armures, ses habilités, tout ça augmenté. Bon, il lui manque tout ça en fait. Honnêtement, il lui manque les trois bonnes habilités, enfin les compétences de campement. Bon, on avait sauvé le mec, c'est cool. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça c'est bien. Par contre, il a qu'un seul attribut en fait dans les deux camps. Et ça c'est bien parce que les gens niveau 3 qu'on trouve en fait, ils sont tout le temps full attribut, ils en ont au moins 3 de chaque. Alors oui, ça peut être des trucs vachement bien, je suis d'accord, mais ça peut aussi être des trucs vraiment relous. Genre par exemple, lui, par exemple, distance, moins 5, c'est horrible, interdit de jeu en ville, c'est horrible. Enfin, c'est chiant plutôt, pas horrible. Saignement moins 10%, c'est chiant aussi. Voilà, c'est un peu relou. Donc c'est vrai que dans un sens, avoir un mec sans trop de problèmes... c'est un peu plus simple de le diriger en fait, si vous jouez bien. Je pense que si vous jouez bien, vous avez des meilleures compétences qui se débloquent, je pense. En tout cas, la dernière fois, on avait fait ça, le divertissement morbide. On avait fait une bonne partie. Honnêtement, c'était cool, mais on était sorti au bout d'un moment parce que, bon, au bout de 1h20, je crois, dedans, il y avait le stress qui avait un peu monté et tout ça. Et puis on commençait à avoir plein d'objets, mais genre des objets qu'on peut même pas enlever, genre, enfin qu'on peut même pas stacker, c'était des breloques et tout ça. Donc du coup on est parti. Puis de toute façon c'est la mécanique du jeu de partir. Et on a une bonne équipe, honnêtement, on a une bonne équipe, on a Raincourt pour le soin, on a Ponte pour le tir, qui est vraiment cool. Et elle fait très bonne paire avec Wissant. Qui va marquer en fait les cibles et tout ça en arrière, et elle fait très mal et tout ça. Et après nous avons Montag, ouais, c'est pas Montagne, c'est Montag, qui est un bon croisé aussi. Donc on va essayer de continuer avec cette équipe en fait, quand on aura une nouvelle invitation, et garder cette équipe pour le baron. Ouais, le baron. Donc ouais. Donc pour le moment, dans cette mission... Silence dans les cris, la Toussaint, soleil dans les fourrés. Ouais, il n'y a pas trop de choses très intéressantes. Alors oui, on a toujours les objets ancestraux là. Il nous en manque 2 ou 3, je crois. Il y a ça aussi. Ça, je crois que je vais le farmer de temps en temps hors vidéo en fait, pour avoir des cristaux. Ouais, je pense que je vais le faire hors vidéo. Essayer de trouver... Enfin, peut-être à la limite, j'enregistrerai, mais si jamais j'ai une bonne équipe qu'on va plus loin que, par exemple, les 85 adversaires, je vous montre. Sinon, non. Parce que, bon, c'est un peu trop long. Donc, on va faire champion. Donc, la réserve de vinificateur. Donc, il faut aller récupérer du vin. Mais je crois que c'est du sang en fait, c'est du vin contaminé. Bon, on a un objet à la con qu'on a déjà, donc c'est pas vraiment très intéressant. Donc on n'y va vraiment pas pour... comment dire, pour les objets, on y va vraiment juste pour récupérer du vin. Enfin, du sang. Par contre aussi, on a quelqu'un... Alors, je crois qu'on a un vampire, c'est Montag. Montag est devenu vampirique. Donc on peut pas vraiment mettre d'autres personnes dans le même bâtiment parce que sinon là ça risque de se passer à l'un à l'autre. Donc pour l'instant je préfère ne pas le faire. Mais on peut les rendre vampires. Je crois qu'il y a quand même des bonus à avoir ça. En tout cas on va faire donc ces cours. On a personne niveau 5 à monter, donc c'est pas vraiment un problème. On va juste faire une équipe de... Une équipe. On a loge. Ouais. Ah, à la limite, on peut mettre un. Toi, t'as quoi? PV max. Toi, tu te fais mieux soigner.
Toi, t'as de la vitesse, protection. T'es, ils sont bien au flageolant quand même. Je veux pas dire, mais les trois ont des avantages. Ah tiens, ah oui, non, on peut pas dormir, donc on peut pas se reposer, pardon, donc on peut pas enlever la maladie. Genre, elle se fait mieux soigner et elle a de l'esquive si jamais elle est bas en PV. Lui, il se fait encore mieux soigner et il a plus de PV que les autres. Lui, il a de la vitesse, il a plus d'esquive, il a de la protection. Non, ils sont tous très bien en fait, hein, nos flageolants. Honnêtement, je suis super content de ça. On va prendre Verdune, je crois. Ouais, je pense qu'on va prendre Verdune. Tous les trucs sont très très faibles contre le saignement en fait. Donc du coup, je me dis pourquoi pas. Alors, il y a un truc que je voudrais tester avec notre copain Vangarl. Et je crois qu'on va devoir utiliser des cristaux. Donc c'est ça. Esquive 10, renvoie les dégâts 30%, résistance aux étourdissements de 20%. J'ai vraiment envie de tester ça. Et voir ce que ça peut nous donner. Alors après, il y a d'autres trucs vachement. Honnêtement, il y a plein de trucs vachement intéressants. Donc faut vraiment que j'aille farmer les cristaux. Faut vraiment que je me motive pour ça. Après, ce qui est embêtant, c'est que bon, les gens risquent de ressortir stressés, quoi. C'est ça le truc. Genre, il y a ça aussi. Il faut que je l'achète. Ouais, ça aussi, c'est vachement bien. Stress 25%. Enfin, la compétence anti-stress. Même ça pour l'antiquaire, c'est vachement bien. Enfin, il y a plein de trucs vraiment. Après, c'est vachement bien, mais c'est spécial, hein. C'est vraiment spécial. C'est très spécial. Arbalétrière. On a quoi pour. Ah, et mousquetaire, dégâts 20%, c'est top. Bandit, même bandit, ça aussi. En fait, il y a beaucoup de bonus sans trop de malus, en fait. C'est ça le truc. Et c'est assez extrême à chaque fois, les bonus. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Mais ouais, je veux tester ça. Donc voilà, on va le prendre. Il faudrait faire les bâtiments aussi, je sais. Enfin, on a plein de trucs à faire encore. C'est ça qui est bien, c'est pour ça que dans un sens je voulais vraiment finir avec l'histoire principale comme j'ai expliqué. Comme ça on n'a plus le problème des semaines, parce qu'on était limité à 100 dans notre difficulté. Et maintenant on est plus pressé, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut tranquillement. Et il y a encore plein de trucs à faire, il y a encore plein de trucs, c'est ça qui est top. Alors, toi t'as l'ennui. On peut pas leur enlever tout ça là parce que il y a Montag qui est en train de se faire soigner. Toi t'as pas grand chose là de faire une balle. Qu'est-ce qu'on prend? On prend. Je sais pas. On va la jouer safe. On prend Manaylie. Manaylie est pas mal. Manaylie est sympathique. Elle a quoi? Elle a l'ennui. Ouais, ça va. Elle a l'ennui. Et qu'est-ce qu'on va prendre pour l'arrière? Je crois qu'on va le faire basique. Ou alors on prend. Ouais, non. Non, elle, je préfère la garder pour la farm. La farm de la ferme. Pour le farming de la ferme. Donc je pense qu'on va prendre tout simplement un docteur. Ouais. Ouais, très très basique. Ouais, on va faire dot combat. Ouais, très très basique. Vraiment rien d'original, honnêtement, l'équipe. Ouais, rien d'original. Mais au moins elle est solide. Alors ça. Honnêtement, on devrait tout augmenter avec l'argent qu'on a. Alors la protection, oui. La riposte, oui. L'ordre aussi, c'est bien. Ça aussi, ça peut être utile. Ouais, non, mais lui, en fait, il est bon partout, hein. Toutes ses habilités, en fait, peuvent être utiles.
Elle, c'est surtout ça. Sauf si on la met en deux. Pardon. Et toi, il te faut les étourdissements. On est à 140%. Le soin. Très bien. Il y a un truc qui pourrait être utile. Enfin, c'est deux à la limite. Parce que là, ça enlève les cadavres et ça fait un mélangeur. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais... Et puis en plus, ça donne un stun en deuxième position. Alors que nous, on a un stun seulement en 3 et 4. Donc c'est vrai que oui, on peut avoir un stun sur 3, 4, sur 2, 3, 4. Y a ça aussi, les dégâts. 21%, 22, 23, 25. Ouais, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc on va le garder, on va le mettre de côté. Là, il faudrait voir combien... Je voudrais bien que ça dure plus longtemps, mais bon. Il montre pas, en fait, le nombre de tours que ça dure. Après, là, il y a le stress, bonus de vitalité, il y a le soin. J'ai bien envie d'augmenter le soin au cas où, si on en a besoin. Ouais. Bon, on a 63k, on va pas non plus trop dépenser, parce que... Sinon, on va être dans la merde. Quand on en aura besoin. Parce qu'on a, on a des mecs niveau 4 et tout ça. Qui ont besoin de... Qui ont besoin d'être équipés. Voilà. Donc on est résistant un peu à l'étourdissement. C'est bien parce qu'en plus, moi, je lui mettais souvent résistant à l'étourdissement avec, avec l'esquive. Genre ça, en fait, le trophée. Mais là, du coup, il a ça. Bon, un peu moins en étourdissement, mais il a le renvoi des dégâts et tout. C'est pas mal. Vraiment cool. Donc on va voir un peu ça. Pourquoi t'as moins un attribut? Ah oui, oh, ça va, c'est bon, c'est pas grave, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Pour toi... On va mettre ça. Ah oui, on avait un objet en verre. On a ramené ça qui était vachement intéressant. C'est ça. Esquive 15. Si la torche est supérieure à 75, c'est énorme ça. C'est aussi bien que le manteau ancestral en fait. Parce que bon, on joue toujours avec la torche. Bon, y a, après la torche ne fonctionne pas là-dedans. Hein, mais c'est pour dire quoi. C'est top. Je dirais plus de saignement. On peut lui mettre tout simplement ça. Par contre, il va mettre un peu plus longtemps à se faire soigner, mais ça devrait aller. Ouais. Alors, elle, on a eu quoi? Ah oui, on a eu ça. Alors, compétences de mêlée, crit, tout ça. Et après, c'est... malus, on s'en prend, tu me sens. Ouais, non. Enfin, c'est pas pour nous, mais on a ça. En tout cas, c'est bien. Là on a du soin en plus et il nous faut du coup on va mettre le gobelet comme d'hab je crois. 20% de PV, voilà, elle gagne un peu plus de PV, c'est bien. Bon, après on a la boîte aussi mais la précision est un peu dangereuse. L'appareil, les trucs complètement pétés du docteur, ça, c'est vraiment énormissime quoi. Voilà, très bien. Il y a 50. Parce que oui, il y a casse-cou qui est activé par défaut. C'est normal. C'est pas activé normalement. Alors, riposte. Alors, l'esquive, riposte. J'ai envie d'enlever la protection et mettre juste un dégât, mais au final, on spam l'étourdissement et tout, donc il n'y a pas vraiment de problème. Toi, t'es en normal. Toi, t'as ça, t'es bon, t'as le régène et tout ça, et pas de problème. On peut enlever le saignement et tout, sans problème. Nickel. Let's go. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend du sang avec nous? On va prendre des torches, parce que les torches ont une utilité. Bon, c'est normalement c'est pas long donc on devrait être ok, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements en fait dans cet endroit là-bas. Héros qui dépérissent en ville, zéro, ok ça marche. On va peut-être prendre un sang par défaut
Ouais. On y va. On va prendre un 100 par défaut. Parce que. On sait jamais. On va peut-être avoir le vagabond là qui demande du sang à la, aux gens. Pour avoir des objets. Ce serait vraiment cool ça. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. On est dans la cour là? Ah, et du coup, c'est plus la forêt en fait, c'est plus le marécage. Non? Ah, si, si, c'est encore une partie du marécage. Eh merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, non! Désir enfoui. Quoi? Du matin? Oh. Ça tue? Vitesse plus 2, si torche supérieure à 75. Ça tue? Donc on doit trouver 3 réserves, ça marche. Oh wow, ok, cool. GG, bon début. Ça. Très bien. Ah, le flageolant, on va pouvoir directement le mettre devant, il n'y a pas de problème. Hop là. Infection 120%, étourdissement. Faire ça pour être sûr de lui rajouter de l'infection. Tiens, ah, le flagellant il est content ici hein. Personne qui est résistant au saignement, c'est fou quoi. Enfin, en tout cas les monstres. Alors fais voir un peu. Je voudrais faire de la riposte, s'il vous plaît. Ouais. On fait voir un peu les dégâts qu'on renvoie là. Ok, là c'est juste la riposte. Bon, après, s'il se fait jamais toucher, voilà quoi. Slowly, gently. This is how a life is taken. Très bien. Étourdissement. Precision and power. Nickel. Confidence surges as the enemy crumbles. Ah non. Équipe très solide. Équipe extrêmement solide. Ah! Ah putain, j'ai envie de les faire apparaître en fait. Attends. Ça donne plus. Si on a du. Si on a un peu de facilité à les combattre, je dirais pourquoi pas faire plus de combats quoi. Mais j'ai pas trop de soins. De sang en fait. J'en ai qu'un seul. Donc je préfère attendre. On va avancer et après on verra. C'est bien qu'on n'ait pas à gérer la torche, ça change un peu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la nourriture. Délice oublié, un anachronique mélange de nourriture pourrie et fraîche décore la charrette. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dirais qu'on. Ouais, on met un antidote ou alors des bandages. Je vais regarder quand même. Ah, c'est de l'herbe en fait, herbe médicinale. Okay. Oui, ce qu'il y a de la, oui, ça a du sens, c'est pour purifier en fait. Parce qu'on a d'autres objets pareils, exactement pareils, des curios qui marchent de la même façon. Aïe aïe.
Carelessness will find 3, ça no va. Clemency in this place. Ça va, ça va, ça va. Ah, je crois que c'est ça. Réserve de vinificateur, bouteille de sang déguisée en bouteille de vin. Ouais. Ouh, 5. Cool. Carte. Alors, hop, objet de quête. Ah, on peut aller en haut. Comme ça, on fait le combat. Voilà, donc on peut récupérer pas mal de sang facilement en faisant ces quêtes-là, je pense. Ah, tous ces buzz là de... Ouh, la vache. De moustiques, là, c'est horrible. D'autres reviendront, certains, si nous tardons. Ouh, d'accord. Direct. Ça marche. Ok. Ah, enfin, on va avoir un problème du coup. T'as pas renvoyé de dégâts. Hein. Ah, si. C'était quoi, hein? La musique est sympa. Encore du sang. Ah, c'est limité à 6. C'est limité à 6. Du coup... marche. Ah, peut-être trop de torches. On va peut-être revenir en arrière pour le curio. Mais merde. Oh waouh. Peut-être un problème l'infection ici. Ouais, 90, 120. Ouais. Peut-être pour l'infection, c'est pas trop ça, à la limite. Après, il a un gros taux d'infection avec enfin, l'habilité niveau 5 et ça et tout ça, mais bon. C'est quand même pour dire que c'est ouais, c'est limité. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ouais, j'avoue que la riposte en fait c'est pas, je sais pas, il a tellement de d'esquive de base qu'au final ça sert pas à grand chose, comme on en avait parlé de ça hein. En disant que le fait de renvoyer 30% des dégâts, c'était peut-être pas vraiment le plus utile, quoi.
As the fiend falls, a faint hope blossoms. Après, bon, c'est presque aussi bien que... Ouais, ça, après, ça permet de mettre la breloque, là, le... du roi porcin, là, à quelqu'un d'autre, du coup. C'est ça, le truc, ça permet de le mettre à quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est pour la classe en elle-même, ce qu'il a, lui. Mais c'est vrai que, ouais... Enfin, plus il esquive et... Bah moins il prend de coups quoi, donc bon il va pas renvoyer rien. Il peut pas renvoyer de l'esquive. Donc c'est un peu étrange. Alors ça devrait mettre un passif, je sais pas, genre je sais pas. Faire ça. On prend des risques, hein, mais bon. Mais ça m'intéresse. Étourdissement. Bam. On est à combien là? 13, ouais, c'est bon. A singular strike. Très beau. Continue the onslaught. Destroy them. Alors, on va faire riposte. Oh! C'est dégueulasse. Yeah. Bon, on a gagné. Ah, c'est... Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. C'est pas mal, hein. Ce n'est point mal à faire comme ça. Ouais, ce n'est point mal. Ah, on n'avait pas vu qu'on pouvait utiliser une torche. Ouais, un combat. Il y a au moins 3 combats à faire, 4 même. Faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de stress sur le docteur. Va étourdir. A momentary abatement. Voilà. C'est sympa que notre équipe soit quand même très solide, donc on peut faire quand même pas mal de choses tranquilles sans trop se prendre la tête. Je suis content de ça. Ah, j'aurais dû peut-être taper lui, non? Ah non, c'est bon.
Ah, toujours. Ah oui, bah ouais. J'ai de crâne, évidemment. Évidemment, c'est tout le stress, quoi. On spam la personne stressée d'attaque de stress, évidemment. Je devrais peut-être à la limite la protéger. En fait. Ah tiens, on peut remettre à chaque fois une torche pour avoir un dégât, un buff de précision. C'est sympa ça. Sympathique. 57. Oh, on a mangé 5 rations au lieu de 4. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de bouffer plus. Bien. Ah, on aurait dû lire, merde. Oh non. Faut que je protège. Ah merde. On va d'abord mettre ça. Toi, tu vas t'occuper du petit là. Aïe aïe. J'aurais peut-être dû taper lui en fait avec elle. Bien. Un dégât, ouais. Après, c'est quand même ridicule le renvoi quand on y pense, c'est que 30%. Oh merde. Esquive moins 50. Pas mal. Ouais, c'est bien sans être top. Comme j'ai dit, c'est si jamais on a besoin de... Si jamais on a besoin d'esquives supplémentaires et qu'on veut des objets, on a ça pour lui directement. Mais j'avoue que c'est peut-être pas le meilleur objet en fait. Enfin, c'est pas grave. On va faire ça, comme ça toi t'es mort. Ah, ça touche que elle, quoi, c'est ouf. Festering fear consumes the mind. Ah, le bruit que ça fait quand ça meurt. Par contre, toi, t'as que... Ouais, t'as 25% quand même. Ouais. C'est pour ça. Je mets ça au cas où que ça fasse un crit, le régène. Ça permet de...
baisser un peu le stress. Mais j'y crois pas trop. Inordinate exsanguination be considered a virtue. On n'arrive pas à bien les surprendre par contre. Oh merde. Nestine, non. T'as fait combien de dégâts? 3. Oh, doucement les gens, restez cool. On a fait chier. Restez tranquille. On a vu nettement pire. On a vu nettement pire les gens. Restez tranquille. Très bien. Oh là là. Très bien. Ça serait utile en tant que cadavre. Yay. Ah. Ah, tu peux le faire en 3. Ok. Tiens, tu t'es pris les dégâts là. Oh la vache. Ok. Ok, en plus elle est là ça. Ok, ok. On reste calme les gens. Ok. C'est bon, on a 2 morts, nickel. Voilà. Voilà, très bien, très bien. Restez tranquille. Bon, il est un peu bigleux, hein, Vanguard. Il aime bien louper, j'ai remarqué. Ah, après ça a son avantage quand même, j'avoue. Bon, on va garder comme ça. Si jamais on le met en deuxième, en 1 ou en 2, ça sera son équipement en fait. Je préfère le tuer. Alors, on va faire ça. Les gens nous vendront à des marchands d'esclaves. Okay. The wounds of war can be healed, très bien. But never hidden. En plus, c'est 89% de toucher. Quoi. Très bien. Aïe aïe aïe.
trifling victory, but a victory nonetheless. Les gens stressent un peu, mais ça va. Hop. Mais c'est beaucoup, hein. Oh là là. Ok. Doucement. Oui, alors là, quand même, on a deux persos stressés. Faut peut-être... Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, ok. Doucement. Ok. Si, si, laisse-moi les stun. Ok, très bien. Yes! C'est bon, ils passent leur tour en dégâts plus. Très très bien. Très très beau. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur elle parce qu'elle, elle va buffer tout le monde et ça va être une catastrophe. Voilà, regarde-moi ça. Voilà. Eh ouais, vous avez plus de buff, c'est con, hein. Con la vie, hein. Ah, les infections, c'est pas trop ça. Ok, elle a deux points. Ah, loupé. Ah, t'es immonde quand même, hein. Saignement un peu partout. Toi, tu vas nous riposte ça. Voilà, très bien. Aïe aïe. Mais bon, t'es pas buffé. Ouais, ça aussi, mais ça va. Nickel. Et combien de... Allez, allez. 4, ok. Ouais, ouais, non, ça, c'est sympa. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est des gros saignements ou pas vraiment? C'est pas vraiment des gros saignements, donc j'ai envie de dire. Hop là. Laisse-moi soigner tout le monde, s'il te plaît. Manaili. Merci. Ouh, joli Manaili. Ouh, fou, 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 fou. Ah, vous êtes morts là, les mecs. Vous êtes morts. Étourdissement. Bam. Ah, on l'a pas étourdi? Ah, si. Ah, on l'a... même si on étourdit sur le coup, quand même, ils peuvent riposter. Je pensais pas. Très bien. Ah, c'est bon. Notre équipe est... ce qui est bien, c'est que notre équipe, elle est solide, même... Putain, les cadavres qui prennent des dégâts de dot, quoi. Notre équipe est solide, même si elle est stressée. Ils sont très résistants. Même s'ils font un peu n'importe quoi pendant quelques tours, ça passe. Ça passe sans trop de problèmes. 16, ok, c'est bon. Mais du coup, on va faire ça. Comme ça, on va pas prendre des dégâts de riposte. Soif. Ah, tu vas te soigner. Oh, il a changé en insecte, du coup. Ok, c'est dégueulasse. Ah, du coup, il peut plus faire ses attaques. Si, non? Ouais, du coup, c'est devenu plus un insecte qu'autre chose, en fait. Très intéressant, ces monstres qui changent de forme comme ça tout le temps. Vraiment, vraiment cool. Yes, nickel, let's go. Ok, très bien. On a encore du sang. De toute façon, il va nous falloir encore de la place pour du sang, donc autant virer un truc maintenant. J'ai plus envie de virer l'argent.
Parce que là, on a des curios, je sais pas du tout ce que ça peut être. La nourriture, ils vont sûrement vouloir manger. Après, on a tout ça, mais bon, peut-être qu'on en a besoin pour les curios, donc à la limite, virer l'argent. Oh non, sans déconner. Arrête! Et voilà. J'aurais dû m'en douter. Voilà, bien joué. Bien joué, Vanguard, bien joué. Ok, donc ça c'est bien. Tiens. Ball. Ça, on prend. Yes. Et on continue ça. Ok. Quel, tu vois un peu. Le journal piétiné. Combat team dans la galerie abritant les portraits de nos ancêtres, témoins insensibles du massacre. Al-Azred, l'impassionné de notre cortège, sema le chaos dans les rangs de l'ennemi. Je ressens fortement son absence alors que je me souviens me sentir vide en voyant tomber son corps sans vie, le sang coulant de sa bouche béante après qu'un couteau cruel lui ait déchiqueté les poumons. Mais nous avons vaincu et donc nous continuons. Eh ben, le fun ici. On va faire ça. Allez, on se casse. Preuve de sang. Quoi? Attends, l'un de vos héros affectés souffre d'une soif qui ne peut être assouvie que par le sang. Faites vite avant qu'il ne dépérisse. Ok. Ah, on a eu 7000 quand même. Malade. Résistant, peste rouge, super. Force mortelle. Eh, force mortelle, ça peut être intéressant aussi. C'est pas... C'est Nesdin qui a le critique, là, en premier tour. Là. We dug for months, years, an eternity. And we were rewarded with madness. C'est quoi ça? Ils ont concocté une potion. Un charlatan audacieux prépara par accident une concoction réellement efficace faite de poussière récoltée sur la comète. Elle fait de merveille pour un prix. Acheter une potion, une maladie pour chaque héros recruté. Oh merde. Oh merde. Elle parvient à contrôler les désirs de sa malédiction pauvre pour le moment. Ok. Du coup, on est censé faire quoi là? Excusez-moi, donnez-moi une petite seconde. Ok. Du coup, moi je peux pas racheter. In time. You will know the tragic extent of my failings. Bah mince. Du coup, on a... Il nous faut des cristaux, mais j'en ai pas... Ah, peut-être que je peux aller en farmer parce que... Parce que les semaines, elles passent pas. Donc en théorie, on pourrait toujours avoir ça disponible, je crois. Intéressant. Bon, on va peut-être aller en récupérer des cristaux, vite fait. Alors... Donc qu'est-ce qu'ils me disent avec mon tag là? Qu'est-ce qu'il a mon tag? Soif, j'ai besoin de sang. Ok, bah vas-y, prends-en. Comment tu... prends? Est-ce qu'on est obligé de les prendre en... Les prendre avec nous ou pas? Alors là, ta maladie, t'as quoi? Esquive. Plus 2 maladies, moins 10 maladies.
Moins 10 mètres. Ouais, elle s'est aggravée en fait. La maladie s'est aggravée, donc il a plus de vitesse, mais il a moins d'HP, moins de résistance. J'ai vu qu'on avait des... Ah, attendez, on a ça. Ne peut pas mourir de la malédiction pauvre. Tiens. Tu vas rester avec ça pour le moment, parce que je sais pas si... Parce que j'ai pas envie de te sortir, en fait. Tout simplement. Ok. J'ai toujours tout simplement pas envie de te sortir. Alors, on va voir un peu ce qu'on a. Convention médicale. C'est quoi ça déjà? Suceur de sang. Alors attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse sur ce que je veux faire. Est-ce que notre bouffon est prêt par contre? Je crois pas. Hein. Parce que je l'ai pas. Oui, non, je l'ai pas. Ouais, non, j'ai pas de bouffon en fait. Donc jouer sans bouffon, c'est un peu la merde. Bon, on va devoir... Qu'est-ce que c'est ça? Je veux juste m'allonger un moment. Le crieur joue actuellement de cette activité. Le crieur? D'accord. Ah, maintenant il y a deux personnes. T'as le gardien et t'as le crieur maintenant aussi qui fait chier. Ah, putain, c'est super. Mon dieu. Bon bref, stress. Attendez. On va voir ce qu'on va faire. Blam, blam, bam, bam. Stress. Alors, Nesdin. Nesdin qui a eu force mortelle. C'est pas mal. Nesdin, toi t'aimes faire quoi? Ne veut que méditer pour déstresser, ça marche. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Meilleure réduction de stress. Ouais, 5. Bam. Très bien. Tiens, cadeau. Alors, toi. En ville, ne bois jamais. Résistance, es-tu dernier? Oui, toi, par contre, t'as plein de maladies à virer. T'as plein de maladies à retirer. Ah, attends, après, on a quoi? On a toi. Ah oui, toi, tu stresses parce que t'as nervosité. Oh là là, chier. Il faut qu'on t'enlève ça. Toi, t'as l'instinct de combat, précision plus 5 et lenteur. Ça aussi, on a des trucs à virer. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Premier tour, ça reçu esquive du matin. Qu'est-ce qu'on fait? On garde du matin? Parce que ça m'intéresse en fait du matin. Genre la vitesse en plus là. Sanatorium. On va voir un peu. Alors, nombre de 3 et plaque psychiatrie. Ça, il faudrait le faire ça aussi. Il faudrait avoir 3. Donc on va pas... Montag, on va le mettre nulle part. Parce que sinon ça va être un danger pour tout le monde. Donc, Vangarl. Honnêtement... Du matin, ça m'intéresse. Alors oui, je sais qu'il y a genre vitesse et esquive. Ça serait le top. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est très rare d'avoir des bonnes choses... Enfin, les choses qu'on veut exactement. Donc tant qu'on... quand on a des bonnes choses, autant les prendre, je dirais. Je vois ça comme ça. Après, il y a quoi? C'est malade, résistance aux maladies, stress, vitesse moins 1, vision, obsession, morbide. Obsession morbide, en fait, ça va être une catastrophe dans la cour, je pense. Je voudrais bien l'enlever, mais ça fait méga, méga cher. Après, si les PV sont bas, ils stressent plus.
Alors on peut lui enlever ça parce que c'est vrai que c'est un tank, donc il est souvent à moins de 50%. Enfin, ça arrive souvent, quoi. Ça monte, ça descend, ses HP. Très souvent. Donc on va faire ça. Il n'y a pas d'infection, ça va. Toi. Toi, je crois qu'il faut... Pour le moment, c'est surtout t'enlever toutes ces merdes. Parce que là, ça va te... D'abord, on va enlever ça en premier, la peste rouge. Très bien. Après toi, on a... Bah, t'es sympa, mais la nervosité, elle nous fout dans la merde. Je sais pas si on devrait le garder ou pas. Enfin, si, ce personnage-là, oui, il peut être utile. Donc, on va simplement t'enlever la nervosité. Verdun. Verdun, il y a l'instinct de combat que j'aime bien. Et il y a la lenteur aussi à enlever. Mais c'est fini, on peut pas, on peut plus. Ça fait un peu d'argent qui partent un peu souvent là. Verdun a pas. Après t'as du stress. Bohan. Bohan, on va te faire déstresser. Le bar. Ouais, non, ça demande trop. Très bien. Toi, tu as la malédiction. Toi, tu as du stress dans plusieurs lieux. De toute façon, là, on a des gens un peu partout, en fait. Parce que si je fais ça... Moyen. Faible. Faible. Ouais, non. Toi, évidemment. Impie. Que prier? Je crois que la bille est pleine. Non, la bille est pas pleine. Il y a Emerald Herald. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux que t'amuser, toi. T'es cher aussi. Crit moins 2. Maladie débilitante. Ça, c'est un problème. Ouf, eh ben. Ouais, on a pas mal de stress que j'ai un peu mis de côté. Alors bon, j'ai peut-être un peu mis trop de personnes, mais c'est juste pour les avoir prêtes plus tôt. Voilà, tout simplement. Alors on a un... Toi, t'as quoi, toi? Vertu... Ah, c'est pas mal, toi. T'es pas mal. Et après, on a un autre homme d'armes. On a un flagellant. Fais voir si... On en a combien de flagellants? 3. 4. Ah, tiens. Attends. Nickel. Hop. It is done. Turn yourself now to the condition of those poor devils who remain. Nickel. Ah oui, et il y a le bouffon. Il y a le bouffon aussi à gérer. Ils sont où les gens cristaux là? Oh mon dieu, qu'est-ce que tu veux toi? Oh merde, je peux plus. Aïe aïe aïe. Ouais, faudra gérer le bouffon. Mais après, enfin, faut gérer les gens cristaux de cristaux là. Ah, je voudrais bien aller farmer des cristaux maintenant. Ça m'emmerde. Ça, c'est quoi? 3 réserves de vinificateurs. Ah, mais en fait, il y a tout le temps des missions. Bah, c'est bien, ils sont sympas. Ça va. Ouais, il y a toujours des missions en fait pour aller chercher du sang. Tranquille. Pas beaucoup de problèmes du coup. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On va faire des cristaux vite fait. Mais avec qui? Ça, le problème. Est-ce qu'on prend tout simplement une équipe cristal là? Non, c'est pas chier. Laboratory than the blood-soaked battlefield.
Ah, j'ai envie de dire. Elusive, evasive, persistent. Righteous traits for a rogue. On n'a pas de soin du coup. The thrill of the hunt. The promise of payment. Qu'est-ce qu'on fait? On y va comme ça? Mardi, lui, paranoïa, il va nous faire chier. Donc... Genre, on y va comme ça avec des gens. À la limite, j'ai envie de dire où on s'en fout. S'il passe l'arme à gauche, c'est juste pour farmer un tout petit peu de cristaux, quoi. C'est pour qu'on en ait assez pour acheter. La potion. Moi je dis pourquoi pas. Je dis pas non. Par contre il me faut ça. Au cas où faut qu'on remette. Il est où notre copain vampire là ? Faut remettre le rat là. Très bien. Et eux on va les équiper. Ouais non on va faire ça. On va en profiter. Hein. Profiter. Hop. Honnêtement, on les équipe vite fait, hein, putain, parce que... Hop, très bien. Les équipe un peu n'importe comment. Après, faut regarder vite fait les attaques, et puis après, on y va, quoi. Dégâts. Vitesse et esquive. C'est quoi ça? Ah oui, non. Critique et stress. Alors, hop. Hop. Toi. Ouais, toi, il faut... que tu meurs. Ah mais t'es même toi t'es irrationnel en fait. Attends, je suis en train d'avoir qui là dans l'équipe? Ah oui mais j'ai mis l'irrationnel en fait. Attends, y a pas quelqu'un d'autre là? Oui je devrais mettre lui là. Pas mettre un mec irrationnel et tout, faut pas exagérer non plus, on est là pour faire quelques cristaux quoi. Alors toi, je voudrais que tu fasses les stuns, du saignement. Ouais c'est très bien, toi tu vas me faire... Bah c'est très bien aussi. Hop. Voilà. On va prendre deux stacks. Et encore. Je sais même pas si on va beaucoup avancer. On a plein de sang, c'est cool. Allez. The poor miller. Thrice a victim. The seasons took his livelihood. I took his land. And now, uncountable years later, the comet has taken his humanity. My only regret is that I did not live to see that shoddy mill smashed to pieces by the miraculous bounty I reaped from beyond the void. Hello. C'est parti. On utilise complètement des gens, quoi. C'est bien. Bah, de toute façon. Alors. Let's go. Decimated. Après, s'ils font, ils vont faire du très bon boulot, hein.
c'est possible, hein. Ou pas. Annihilated. Faut surtout faire gaffe à notre lancier là. On en a pas de haut niveau. Enfin, on en a qu'un seul de haut niveau. Lame. Well struck. Il y a une chose que j'avais envie de faire en équipe aussi, ça serait. Ça serait flagellant. Flagellant Vanguard, donc homme d'armes, flagellant bouffon. Putain, on aurait dû juste laisser lui taper quoi, elle taper. Et après on est obligé d'avoir un soin en fait. Parce qu'on a des boss à combattre en, au final, donc est-ce qu'on pourrait faire des boss sans un vrai soin, c'est ça que je me demande. Et du coup on spamme la riposte avec genre Vanguard, et vu que ce sont les monstres qui apparaissent en fait au fur et à mesure, Vanguard il aurait toujours la marque. En tout cas très longtemps. Bam. Donc tous les dégâts seraient plus ou moins concentrés sur Vanguard. Après il a des très bonnes habilités aussi Vanguard. J'avais un peu oublié qu'on n'avait pas de soins. Bon, ça va aller. Ça va très bien se passer. Je crois qu'on va peut-être même pas arriver au premier. Mais on va pas arriver au boss en fait maintenant que j'y pense. Merde. Non, non, ça a pas marché, hein. Oh putain, il faut que je te tue parce que sinon tu vas régène quoi, c'est ouf. Give them no quarter. The slow death, unforeseen, unforgiving. Ouais. Genre maître d'armes. Et après maître d'armes on lui met quoi? C'est sale. Qu'est-ce qu'on lui met? Genre on peut pas. Le skive on peut lui mettre mais il peut l'utiliser qu'une fois dans tout un cycle comme ça. Donc ça sera pour le boss. Du coup. Après les buffs du maître d'armes. Ah c'est pas de la merde hein. C'est ça qui est bien en fait. C'est que les buffs du maître d'armes sont vraiment cool. Genre 10 d'esquive tout le temps. Avec de la précision et tout. On peut même augmenter les dégâts et tout. Quand on va dormir. Enfin, quand on va se reposer.
Ça, c'est vraiment bien. Their formation is broken. Maintain the offensive. Très bien. A place of refuge. Ah, j'aurais dû mettre. Putain, c'est vrai que c'était le. Quel con. C'est vrai que c'était le stress. Faut que je réfléchisse à une équipe. On en est toujours au même point, c'est que faut que je réfléchisse à une équipe. Confidence surges as the enemy crumbles. Je pense que deux lanciers c'est trop faible. Enfin pour moi je pas ça dépend trop de l'aléatoire. Another one falls. Merde, c'est vrai qu'il avait Eric's Post. A decisive pummeling. Dégâts sublimes plus 20%, c'est pas mal ça. J'aurais dû soigner l'autre, quel con. Great is the weapon that cuts on its own. Grievous injury. Palpable fear. Ah oh tiens, il n'y avait pas de cheval depuis tout à l'heure. Là ça va être la merde. Ah, il a résisté. Ah, là, ça va faire mal, là. Slowly, gently. This is how a life is taken. Ça va faire mal. Même lui, il va pas pouvoir bouger. Magnifique. Je voudrais juste finir le deuxième palier. Ouais, on va peut-être devoir partir vite en fait. En plus, t'es marqué. Aïe 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 aïe. Tu saignes en plus. Après j'ai envie de dire, tant que je perds pas mes trucs, moi ça me va. Hein. C'est pas des personnages qui m'importent, hein. C'est pas grave. Mais ouais, si j'arrive pas, on va vite partir, un peu plus vite que prévu. Putain, je peux pas soigner, bordel. Je crois qu'il faut en tuer au moins une vingtaine pour arriver au deuxième palier. Death is patient.
Après, peut-être Bandit et machin, là, pour les deux, là, ça peut être pas mal, parce que lui, il fait très très mal sur une cible, lui, il fait mal sur les tout le monde, et puis ils avancent, circulent. C'est peut-être intéressant. Ah non, ça va pas être suffisant. Ouais, peut-être ça aussi. Les deux comme ça, ça peut être intéressant. C'est juste parce que lui, il fait extrêmement mal avec ça, si on l'équipe bien. Pas très mal toi. Genre si on prend un bandit à nous non, en théorie ils seront mieux, ils font plus mal quand même, ils ont des meilleures stats et tout ça. Aïe aïe. Ah tiens, elle a pas son masque. Self-preservation is paramount at any cost. Qu'est-ce que je vais dire, normalement il devrait one shot quasiment tout le monde à chaque fois qu'il fait son tir. Waouh, t'as pas fait ça sur les deux devants qui allaient mourir. Ok, graine. Donc ouais, ça pourrait être intéressant. Injury and despondence. Set the stage for heroism. Or cowardice. Be gone, fiend. Bien. Bien joué. Ah, c'est bon. On devrait pouvoir. Faut vite les tuer pour pas qu'il y ait de grosses merdes qui arrivent. Et peut-être le cristal il va apparaître direct. Ah, c'est bon, il est. Héros de l'endormi. Ouais, normalement ce serait comme ça tout le temps en fait. Avec un bon bandit, ça peut être intéressant. Ah mais merde, mais non, c'est pas un cristal qui nous emmène. J'ai rien dit. Voilà, ça devrait être bon, là. C'est bon, on va partir. C'est bon là? Rêve de l'endormi. Resupply and recover, but be quick. Ok. Ah, on va faire un tour juste pour voir quoi. Si c'est des... Ouais, ça peut peut-être passer. Ouais. Time has no dominion here. Ça peut peut-être passer. On va juste tirer parce que j'ai envie que l'autre reste devant. Pour faire la OE. Precision and power. Je vais faire des dégâts. Thank you.
problème, c'est qu'on est toujours obligé d'avoir un bouffon en fait dans l'équipe. C'est ça qui me rend fou. Toujours un bouffon. Mais ouais, bouffon, maître d'armes, lancier. Vestal. Ouais, je crois qu'on est obligé en fait. A singular strike. Ça. Non. Ah mais oui, mais c'est parce qu'il est en furtif en fait. Another abomination cleansed from our lands. Bah c'est bon, tout le monde meurt. Eh, on va y arriver. Une équipe un peu à la con comme ça. Ouais, si vous avez des problèmes, en fait, vous faites ça et vous farmez bon un petit nombre de cristal par par vague, mais c'est pas mal. Très bien, le mec il a perdu la moitié de sa vie direct, c'est bien. Puis en plus notre Vanguard il est quand même vraiment très résistant. On a du très bon matos pour lui. On peut faire du stun en boucle. Ah ça y va les AO, oh la vache. On peut faire du stun en boucle. Ouais, on peut faire des trucs intéressants. Lui. Oh la vache. Bam. How quickly the tide turns. Ah le bordel. Ah loyauté. Let's go. Many fall in the face of chaos, but not this one. Bien joué. Not today. Aïe aïe. Ah, ouf. Hop là. Faut absolument les tuer en fait. Comme ça, on passe au niveau suivant. And now, the true test. Hold fast or expire. Hold fast or expire. Voilà, très bien. Très bien. The bigger the beast, the greater the glory. Bon. Je suis prêt à tout moment. Allô? Comment ça? C'est quoi cette arnaque?
Putain, c'est quoi cette arnaque là? On est plein. Vas-y, go, téléporte quoi. Putain, il faut tuer au moins une personne pour que le cristal ait la place de venir. Oh lolo. Putain, en plus, on peut attaquer que les jambes derrière quoi. C'est magnifique. Ah, magnifique. Regarde-moi ça, quoi. Je peux rien faire. J'aurais dû lui mettre la défense peut-être. Ah ah. Aïe aïe aïe. Oh. Ah mon dieu, trois fois. Juste parce qu'ils peuvent rien faire du tout, quoi, parce qu'il y a les deux à la con là, qui sont invisibles, là, qui sont furtifs. Putain de merde. Quoi. C'est bon. Yay, on a une place. Cristal, s'il te plaît, Cristal, c'est le moment, c'est le moment. Aborde, aborde mission. Escape. Escape. Gros, ramène ta fraise. Sans déconner. Oh là là. Let's go! Oh putain, il est toujours pas là. Bon, on a un problème là. Ah bah putain. A closer look, perhaps. Très bien. Et ça c'est la Mildred, c'est la femme du coup de du moissonneur là. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Et elle revit sans cesse. We fall so that we may learn to pick ourselves up once again. Elle revit sans cesse ce qui s'est passé. Ah putain, ils vont prendre un paiement, c'est con. Réfraction. Ah attends, est-ce qu'il est mort ou pas du coup? Parce que... You will know the tragic extent of my failings. Se perd dans les dimensions de l'espace-temps et erre ailleurs. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Et du coup, il compte pas comme le cimetière. Ouais, ça va, c'est cool. C'est cool. Et là, il y en a d'autres ou pas? Ouais, il y en a d'autres. Putain, ça tue. On peut vraiment farmer à tout jamais, quoi, comme ça. Alors, attends. Il était où mon machin là, moi? Ah putain, il est plus. Comment on fait? Non. Ah bah du coup on a plus le truc. Ah, on a plus le remède à acheter. Mince. Pas fou. Oui non, du coup on a plus le remède parce que c'était là, je crois, l'événement, non?
Putain, je m'en rappelle plus. Si, c'est ça, hein. Bon bah... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? C'est pas grave. Ce n'est point grave. Hop. Et monsieur vampire. Prends un rat. C'est bon, les rats. Prends un rat burger. Ils sont où, les rats? Ils sont là. Toi, tu me fais peur avec ta soif, là. Parce que je peux pas te nourrir tant que je te prends pas en mission et j'ai pas envie de te prendre en mission. Bon, bah, on a récupéré quelques cristaux, c'est bien. Donc, on peut farmer complètement comme ça, en fait. Hein, en utilisant des gens qui viennent là. Et même si c'est des... Bon, bah, ça va pas être des runs de ouf, hein. Parce que... Bah, il vous faut quand même des gens. Bah, tiens, on a un nouveau bouclier. Parfait. Très bien. Quoi ? Il y a plus de place pour les mercenaires comme moi. Ok. Ah ! Ah, mais non, mais t'es pas mort ! Ah, peut-être qu'ils reviennent, en fait, au bout d'un moment. Un truc comme ça. Ouais, enfin, t'es bien gentil, mais... It is done. Turn yourself now to the condition of those ah, c'est bien, ça. Devils who remain. C'est bien fait, c'est bien fait. Bon, on va s'arrêter là, je crois. Ouais, ça va faire une heure et demie. Ouais, on s'arrête là. Bon, bah, du coup, on a des cristaux de côté. On est maintenant, la prochaine fois qu'on voit une potion, là, à 30, bah, on prendra ça. Ça avait l'air intéressant. Pour enlever des maladies, apparemment, aux nouveaux venus. C'est complètement nouveau. On n'a jamais vu cet événement, donc c'est sympa. Il nous faudrait 60 cristaux pour ça. Ça m'intéresse vachement. Il faut qu'on déstresse notre bouffon ou alors qu'on en trouve un niveau 3 là et qu'on le monte. Mais j'avoue que c'est un peu relou de pas pouvoir déstresser notre bouffon. C'est con parce qu'il veut juste... Il veut seulement aller où? Boire. Ou je sais pas quoi. Enfin bref. Non, putain, je regardais pas la bonne personne. En ville, ne peut que prier pour déstresser. Voilà, voilà, il veut que prier. Donc ça, c'est un peu relou. Mais ouais. On peut aller farmer. La prochaine fois, on continue un peu le DLC vampire, je pense. On a des gens qui sont en train de déstresser de notre équipe, là. Et être soignés et tout ça. Donc on va continuer. Ah tiens, c'est du vétéran, maintenant. Ouais, c'est du vétéran maintenant. C'est quoi ça? Un voile levé. Ça marche. On peut aller récupérer plus de sang. Ou alors, on va à la chasse de la chose des étoiles. Ça aussi, ça m'intéresse en fait. Chose des étoiles. Là, on a quoi? Dégâts. Oh, dégâts 25 si en position 1. Gants de combattant. Ça, c'est la première fois que je vois ça, ça aussi. Pas mal ça. 90% des pièces. Ça, c'est la malédiction pourpre. Chance de vertu. La Toussaint. Ah, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Récolte exceptionnelle. Ouais, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Honnêtement. J'en sais rien. Parce que de toute façon, il y a ces trois zones aussi qu'il faut monter à 7 pour pouvoir aller combattre les derniers boss aussi. Donc on peut. Bah, on verra. Peut-être on partira sur du vétéran, tiens. Je vais voir un peu le vétéran. Qu'est-ce qu'on a comme niveau? On a du 3. On a du 3 qu'on pourrait monter à 4. Ah non, on peut pas faire une équipe avec du soin. Par contre, les deux, on peut sûrement faire une équipe. Je pense pas que ça sera une équipe vraiment très équilibrée, mais ça manque de soin en fait. Parce que notre soin maintenant, il est niveau 4. Il y a Runeville qui est niveau 4. Il y a Raincourt qui est niveau 4. Ouais. C'est que en vétéran en fait qu'on a du soin. On peut voir un peu. On n'a pas du soin niveau 2.
Non. Ou 1 à la limite. Par contre, on a maître d'armes niveau 2. C'est pas vraiment utile. Ouais, on fera ou du novice ou du vétéran. On verra. Le novice, honnêtement, je pense pas qu'on ait besoin de soins. À la limite, ça dépend vraiment de, quoi, de ce qu'on doit faire. Mais si on doit faire des trucs comme ça, je crois que ça passe facile. Les, après, les longs, bon, peut-être pas non plus. Faut peut-être pas exagérer. Mais si c'est des trucs comme ça, ça va, quoi. On verra ça la prochaine fois. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et à la prochaine, tout simplement.